high fidelity. It's great. Sex. That's entertaining. Fantastic. Perfect life. Corinne Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Nouvelle Galerie et ce matin, on est dans la cour du château de Montbazillac pour évoquer avec vous l'exposition que vous avez co-organisée, exposition des travaux, des œuvres de Benoît Schmeltz. Alors avant de parler un peu de cette exposition, un petit retour en arrière, petit retour à très court terme, puisque le 19 octobre, je crois, au dernier conseil municipal, monsieur Daniel Garrigue, le maire de Bergerac, poser une question, peut-être avait-il déjà la réponse, je ne sais pas. Il voulait savoir à combien s'élevait le budget de cette exposition. Alors, bien vu en tant que journaliste, mais ça ne m'étonne pas. Effectivement, Benoît Schmeltz, on a proposé à la mairie en décembre 2012 une exposition au presbytère pour l'expo d'été. Il y avait déjà des choses de prévues pour l'été 2013. Donc le maire à l'époque, Dominique Rousseau, nous dit pour 2013, c'est pas possible, mais OK pour 2014. Et nous avons un courrier qui date de février 2013 qui nous dit OK pour 2014 parce qu'il avait été séduit par ce que proposait Benoît. Et puis Benoît et Bergeracois, bon voilà, il y a aussi de l'attachement affectif quelque part. Hein. Petit rappel, il y avait un appel à projet de la mairie pour l'exposition d'été et la Nouvelle Galerie a proposé les travaux de Benoît Schmeltz. Donc c'est vous qui avez porté en fait ce projet. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc là on est en février 2013, donc on a ce courrier. Donc on se mobilise parce qu'effectivement, Benoît, vu ce qu'il voulait faire, et pour nous c'était une grande aventure à la Nouvelle Galerie, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on ne savait pas forcément faire, et des frais auxquels on n'était pas habitués. Parce que là, l'expo revenait bon an mal an, en payant l'artiste, parce que ça c'est un des principes de la Nouvelle Galerie, l'artiste est toujours indemnisé, c'est ce qu'on appelle le droit de monstration, et on n'y déroge pas, jamais, ça c'est quoi qu'on fasse, hein. Et concrètement, là il y avait besoin de beaucoup de matériel, donc on a d'abord essayé de chercher du matériel, si d'autres associations, si l'agence culturelle, si, bon, on ne trouve pas, obligé d'acheter le matériel, donc effectivement, ça fait monter le projet en matériel, il y avait, alors je pu vous dire précisément, mais autour de 6 500 euros. D'accord. Avec des rétroprojecteurs, c'est comme ça qu'on dit. On peut le dire. Je suis pas très vidéo. Merci beaucoup. Rétroprojecteur, c'était voilà, c'était intention. Voilà. Donc vidéo, et donc il en avait besoin. On voulait vraiment être au plus près de ce que Benoît souhaitait faire parce qu'on avait trouvé magnifique ce qu'il pouvait nous proposer. Donc on est dans cette dynamique. Et dans cette dynamique, eh bien, évidemment, on fait un budget. Lequel budget, on demande aux différentes collectivités. À la municipalité de Bergerac, depuis que la Nouvelle Galerie existe, c'est-à-dire depuis 2002, donc depuis 2004 à peu près, si je ne crois pas me tromper, la mairie n'a pas changé son budget pour cette association, enfin si, de 50 euros par an, ouais. Puisque nous sommes à 1250 euros par an de subvention de la mairie de Bergerac, à peu près. Subvention de fonctionnement, pas pour les, pas pour les projets. Une subvention. Plus le prêt des salles quand on en a besoin. Voilà. Donc, dans ce projet-là, on est sur un budget de 15 000 euros. Au secours, comment allons-nous faire? Donc on sollicite partout, mais nous avons un an et demi pour le faire. Donc on travaille, nous, la Nouvelle Galerie, pour y arriver. Pour Rata, c'était 3 000 euros, c'est ça? 3 000 euros demandés à la mairie et le reste. Puisque un des éléments que Daniel Garrigue amène lors du dernier conseil municipal, c'est de dire, nous avons demandé une justification du coût global de l'opération, pour être sûr que ça n'allait pas être compliqué à perte, etc. Et qu'il n'aurait jamais reçu vos justifications par rapport au reste du budget. Alors, j'étais à ce conseil municipal, mais je suis arrivée trop tard. Mais comme vous filmez le conseil municipal, je me suis précipitée pour entendre ce qui avait été dit précisément. Et je ne suis pas d'accord avec M. Garrigue, parce que concrètement, depuis donc 2013, régulièrement, avec le service culture de la municipalité,
municipalité nous avons transmis, y compris le budget. Et quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais demandé plus. En tout cas, on avait arrêté. À un moment donné, on avait demandé plus. Mais à un moment donné, la municipalité précédente dit « Stop, on peut vous verser 3 000 euros d'aide exceptionnelle et pas plus. » Et ça, c'est voté en fin janvier 2014. Et après, charge à l'association de trouver les autres financements. Et ça nous regarde. D'accord. Hein, c'est, ça ne regarde plus la mairie. Ils nous ont dit « Ok, 3 000 ». On part sur les « Ok, 3 000 ». Changement de municipalité, bim bam boum, catastrophe, 26 avril, lettre recommandée à la nouvelle galerie, nous ne nous accordons pas ces 3 000 euros. Et la convention à laquelle fait peut-être allusion M. Garrigue, c'est une convention qu'il aurait fallu rendre effectivement entre notre association et la mairie le 3 avril. Oui. La municipalité change entre le vote des citoyens le 31 mars, investiture le samedi 7 avril. Par honnêteté, je ne me voyais pas transmettre la convention le 3 avril à la municipalité qui partait et je l'ai transmis le 7. Donc oui, c'est vrai, je reconnais. Nous avions 4 jours de retard. D'accord. Voilà. Bien, alors on va pas non plus développer trop sur cette polémique, mais c'est quand même assez. Il y a quand même des choses étonnantes. Voilà, on demandera peut-être à Monsieur Gauthier, responsable chargé de la culture, ou à Monsieur Garrigue de revenir sur ces éléments-là. Mais donc un budget de 15 000 euros pour cette exposition. Alors évidemment, si on se fait un peu l'avocat du diable, on peut dire la rétrospective qui a eu lieu de Pujol-Boira à cet été à Bergerac, c'est un budget d'un peu plus de 7 000 euros. Donc c'est un budget deux fois moins important que celui qui était proposé par la Nouvelle Galerie. Je crois qu'il y a eu 4 000 euros de recettes, d'après ce que M. Gauthier a dit. Donc effectivement, on pourrait se dire peut-être que 15 000 euros, c'était prendre trop de risques, c'est deux fois plus. On peut aussi réagir, pas du tout sur le fond, mais par rapport à cet investissement-là. Vous savez, moi, je suis plutôt une femme de, non pas de conflit de personnes, ça je déteste, mais de conflit d'idées, j'adore. Hein. Donc ça ne me gêne pas qu'on discute de ces choses-là. La nouvelle galerie, par deux fois, avait été sollicitée par la municipalité précédente et à chaque fois, on a fait 4000 entrées. C'était avec Eramzi et c'était avec Collectif 212. Donc, je crois qu'il y a quand même une certaine sérénité de ce côté-là. L'ancienne municipalité ne faisait pas payer l'entrée. C'était un choix politique. Donc là, je dirais que moi, ça ne me regarde pas si la municipalité aujourd'hui fait payer et gagne 4 000 euros en faisant payer ou ne fait pas payer. Ça, c'est... Là aussi, ça ne regarde pas l'association. Hein. Et après, je suis en train d'oublier. Je perds le fil là, parce que je suis trop bavarde. Sur le budget, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On dit à la municipalité, vous nous accordez 3 000 euros, ok, le reste on s'en débrouille. C'est notre problème. Et ça l'était. Et effectivement, on a pris nos bâtons de pèlerin. D'accord. Et effectivement, on a eu quasiment 7 000 euros de sponsors privés. D'accord. Alors, je remercie d'ailleurs en particulier Eurovia et Bâti Aquitaine qui sont nos gros sponsors. Eurovia, ah la vache, c'est horrible. Mais c'est horrible. Eurovia qui finance l'art. Bon, ouais. Bref, on va pas revenir là-dessus. Il y a des chefs de service qui sont sensibles, hein, et même s'ils sont embauchés dans des boîtes que... Bon, c'est autre chose. On va pas... Bon, en tout cas, vous avez réussi à obtenir du Conseil Général la subvention... 4 000 euros, donc 1 000 euros de plus. Comment vous avez fait pour avoir 4 000 euros en quelques mois? Non, alors c'est pas comme ça. Parce que si l'expo avait eu lieu au presbytère, c'était donc un partenariat avec la mairie, d'accord? À partir du moment où tout ça s'écroulait, il s'agissait de... On avait trop envie de d'exposer Benoît, quoi. Hein, donc là-dessus, je crois qu'on s'est un peu décarcassé, on va dire. Hein. Et on savait qu'il y avait, parce que nous y participons depuis maintenant 6, 7, 8 ans, la Nouvelle Galerie, un événement du Conseil Général qui s'appelle l'Art est ouvert, dont le principe est on développe l'art sur plusieurs territoires et c'est chaque association du territoire qui prend en charge. Donc on y participait pour 2014. Il se trouve, mais alors là c'est le fait du plus grand hasard, hein, que la question de l'art est ouvert de 2014, c'est l'image en question. Compte tenu de ce que propose Benoît, c'était pas totalement stupide.
Donc effectivement, on s'est rapproché du Conseil général, lequel Conseil général, par le biais de l'agence culturelle que nous ne remercierons jamais assez, quand ils ont su à la fois notre aventure l'objet de l'expo de Benoît, et connaissant la qualité du travail de Benoît, avec l'accord de Monsieur le Président bien sûr, on dit « eh bien ok, l'art est ouvert avec Benoît, et comme l'art est ouvert donne à chaque association 4000 euros, nous avons eu ces 4000 euros ». Mais il n'y a pas eu un problème de déplacement, c'est-à-dire que Benoît Schmelz devait être à l'expo d'été, il n'y est pas, il est à l'art est ouvert, mais ça veut dire que peut-être qu'un autre artiste aurait dû être à la place de Benoît ? Alors, non, parce que les choix des artistes se font, les cinq associations plus l'agence culturelle. D'accord. Et on était sur cette partie-là de trouver, puisqu'on était au mois d'avril. D'accord ? Donc avril-octobre, il y a le temps, on n'a blessé personne. D'accord, donc ça tombe bien. Voilà, alors après ce long développement de sous-techniques, etc., on va revenir sur Benoît Schmelz, qui, j'ai vu, il y a 10 ans, 2003 ou 2004, a déjà eu une œuvre qui a été achetée au FDAC, Fonds départemental d'art contemporain. Donc c'est quelqu'un qui est soutenu par le Conseil, enfin soutenu. En tout cas, le Conseil général l'a reconnu et soutenu et soutient encore dans le cadre de cette exposition. Mais vous, comment vous avez rencontré et l'artiste et ses œuvres ? C'est une bonne question, parce que Benoît, ça fait 12 ans qu'on le connaît, à peu près. Et je ne sais plus comment on s'est rencontrés au début, peut-être sur le marché à Bergerac, je ne sais plus. Donc artiste bergeracois, qui a un parcours un peu singulier, on en reparlera tout à l'heure, et qui a vécu ces derniers temps, enfin ces trois dernières années à Hong Kong, c'est ça ? Il a vécu à Hong Kong entre 2009 plus 3, 2012, je crois. Mais il vous le dira mieux que moi, hein. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce que la Nouvelle Galerie a eu envie de montrer ses œuvres ? Ouais, le coup de cœur de la Nouvelle Galerie. Alors, le premier coup de cœur de la Nouvelle Galerie pour Benoît remonte à 2004, je ne crois pas me tromper. On l'avait déjà présenté sur un travail, que Benoît a cette capacité à aller chercher des choses qu'on n'imaginerait pas que ça puisse exister, d'un point de vue technique, et pourtant qui deviennent des choses d'une traduction artistique. Je suis désolée, je ne suis pas artiste moi-même, et il saura bien vous expliquer son travail. Essentiellement des travaux photographiques, mais aussi vidéo, plus en plus. Alors photographique, vidéo, et quand on l'avait exposé donc il y a une dizaine d'années, il y avait déjà un très très beau travail d'un magnifique triptyque, on l'avait fait au Melchior, donc il avait fait ce travail-là, plus un travail sur ordinateur que je ne saurais même pas vous expliquer, mais c'était interactif. D'accord. Je peux vous dire que les mots m'adoraient. Et là, ce travail de photo, je crois avec sûrement une recherche personnelle, une identité personnelle autour de « je vis sur une petite île » à 20 minutes de bateau de Hong Kong, je vis parmi quelques pêcheurs et quelques paysans restants, je fais mon potager, je vis dans une maison qui pourrait, pourquoi pas, être au milieu du Périgord perdu, hein. Et 20 minutes après, je suis dans la folie de cette mégapole. Et cette espèce de contraste qui correspondait du coup à l'art est ouvert aussi, hein, l'image en question, qu'est-ce qu'on voit, pile et face. Ces deux mondes contrastés, extrêmement contrastés, comment on les vit, comment on y vit, et pourquoi lui il appelle son expo l'exil, parce qu'évidemment il est à Hong Kong, il ne parle pas la langue, il ne sait pas lire, en tout cas vous lui demanderez, peut-être il en sait quelques mots maintenant, mais a priori il ne connaît pas le langage, le vocabulaire, l'écriture, rien. Donc qu'on se sente exilé, je veux bien le croire. Bien, on va en discuter avec lui tout à l'heure. Dernière question pour la Nouvelle Galerie, pour la présidente. Décembre, c'est l'heure de la remise des dossiers de subvention à la mairie, donc vous allez sans doute en remettre. Absolument. Hein ? Est-ce que vous avez un projet particulier dans le cadre d'une subvention exceptionnelle pour 2015 ou 2016 ? Je crois qu'on va éviter la provoque. Je ne crois pas, non. Je pense qu'on va redemander nos 1200, 1300 euros annuels qui nous seront ou pas accordés, on verra. On se rend compte aussi que de toute façon, hein, honnêtement, toutes les collectivités sont en délicatesse avec les financements. Et alors, j'allais dire comme d'habitude, c'est pas bien, hein, c'est pas politiquement correct. Souvent, la culture est quand même un peu le parent délaissé. Et c'est juste à l'opposé de ce que veut faire la Nouvelle Galerie. On est tellement convaincus que la culture est là pour nous rendre humains,
pour faire que l'on réfléchisse mieux, pour faire que l'esprit critique soit, continue de se développer chez l'être humain, que s'il y a une bataille qu'on ne va pas laisser tomber, c'est celle-là. Et me connaissant un peu, en tout cas ceux qui me connaissent, ils sauront que quand j'ai quelque chose dans la tête, ce n'est pas ailleurs. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Ça se regarde à la loupe ? Oui, ça se regarde à la loupe. Bonjour Benoît, nous sommes à Montbazillac au château, tu fais une exposition. Je viens de rentrer dans ton espace que tu as complètement envahi avec de la vidéo. J'ai l'impression que tu n'as pas tourné au port de Bergerac. Peux-tu me raconter un peu d'où tu viens et d'où viennent toutes ces images ? Alors d'abord, on parle beaucoup, tout le monde me parle de vidéo, mais c'est de la photographie, hein. C'est plus un diaporama, je dirais. Alors, pour répondre à ta question, c'est un travail que j'ai fait en face de chez moi, à Hong Kong, à l'époque où j'y habitais. Donc, sur une petite île au sud de Hong Kong, j'ai une petite maison, un peu dans la jungle, on va dire, et j'avais en face de moi la baie. Et donc j'étais témoin de tout ce qu'on voit là, c'est-à-dire à la fois de la mer, de la nature, les nuages qui passent, mais en même temps de toute cette activité humaine, cette fourmilière. Ici, là, en l'occurrence, c'est le va-et-vient des containers, où on voit un peu toute le commerce mondial qui transitait en face de chez moi. Voilà. Mais toi, sur ta petite île, c'était un petit peu calme, luxe et volupté, alors qu'autour de toi, tout semble complètement s'agiter. Oui, calme, luxe et volupté, je ne sais pas. Non, c'était un peu, c'est un climat un peu compliqué quand même, ce n'est pas si simple. Mais oui, on peut dire ça, oui. Il y a un contraste entre le... Entre l'activité et le monde rural où j'habitais, mais tout était confronté, c'est confronté. Les choses cohabitent, voilà, jour et nuit, comme on peut le voir ici. Et donc ce sont que des photos que tu as ensuite mises les unes derrière les autres, montées pour faire un film d'animation qui donne un certain vertige de par le mouvement. Ici, on a presque le mal de mer, en fait, tellement on est... Oui, ce sont que des images. Alors au départ, l'exposition était prévue ailleurs, dans un autre espace. Elle n'était pas ce qu'on voit ici. C'est pas ce que je voulais faire au départ, mais ça y ressemble un peu. Là, en l'occurrence, tu parles de vertige, oui, c'est ça. C'est-à-dire que toute la journée, toute la nuit, on voit des bateaux arriver, décharger leur cargaison. C'est un peu comme on entend un battement de cœur. C'est un peu comme le cœur du commerce qui est là tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Mais toi, t'es plutôt un peu contre la consommation, non ? Si t'étais sur une île isolée, non ? Pourquoi tout cette accumulation de... Parce que c'était là, tout simplement. Je suis ni pour ni contre la consommation, c'est un constat. C'était là. Ça t'a pas fatigué, tous ces mouvements ? Non. Disons que là, ils sont amplifiés par le truchement du montage et tout ça, mais c'est pas si terrible que ça, en réalité. Est-ce que tu veux nous parler des photos qui sont dans la salle d'à côté, où il y a des panneaux qu'on peut regarder d'ailleurs à la loupe pour pénétrer un peu plus dans l'image. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi il y a cette évolution ? Oui, bien sûr. Alors à côté, on voit un peu aussi la vue que j'avais de mon endroit, là, Hong Kong. Et je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé là-bas, c'était en hiver. Et
C'était en hiver sous les tropiques, c'est un bien grand mot, mais disons que pendant 2 mois, je n'ai pas vu de soleil. Il y a à la fois une brume qui est due au climat lui-même et aussi à la pollution. Et j'avais en face de moi l'océan. J'imaginais que l'océan était en face de moi. En réalité, c'était un bourg de mer de Chine. Et petit à petit, jour après jour, quand le soleil s'est levé, j'ai vu qu'il y avait derrière des montagnes et un paysage qui continuait. Donc j'ai voulu représenter ça. J'ai pris des photos du même endroit à différentes époques de l'année. Et on voit que le paysage change tout le temps. Et c'est aussi le cas dans l'installation qui est là-bas avec les vitres. Voilà. Comme une peinture, le paysage s'est révélé au fur et à mesure des semaines et du temps qui est passé. Oui, c'est ça. Voilà, avec des typhons, des jours de soleil, des choses comme ça. T'en gardes un bon souvenir de ton passage sur l'île ? Ah oui, excellent. Oui. Ça, j'y pense presque tous les jours, ça me manque beaucoup. Ouais. Et dans la dernière salle, on voit 3 écrans un peu sablés. Ouais. Ce sont des verres dépolis. Voilà, c'est un peu comme... C'est comme voir des images à travers les vieux appareils photo, le dépoli d'un appareil photo, d'une chambre photographique. Ouais. Ah oui, d'accord, tu as voulu reproduire en grand les chambres, les négatifs qu'on avait avant sur les verres. Voilà, et en même temps, comme c'est la vue de mes fenêtres, eh bien voilà, ce sont des fenêtres. D'accord, et alors dans la première grande pièce, on voit des foules et des milliers de gens qui s'excitent comme des malades dans le métro, dans la rue, dans le... Ouais, ils ne s'excitent pas, hein. ils vont au boulot, ou ce genre de choses. Ils sont très calmes, les Hongkongais, ils ne s'excitent jamais. C'est vrai. Ouais. Donc c'est toi qui les as excités en accélérant les images. Oui, si tu veux. Ouais. Je trouve pas qu'ils aient l'air excités, mais peut-être. Ils vont quand même très très vite. Hein. Ah oui, ils vont vite. Et derrière l'écran où on voit toutes ces vues de métro et de ville, il y a 2 personnages qui ont l'air complètement dans un autre monde. Qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ce sont deux Occidentaux qui vivaient là, j'imagine. De l'autre côté, donc, c'est tout le côté rural. C'est plus une mise en scène de nous-mêmes dans ce monde-là. C'est-à-dire, quand on est arrivé là-bas, moi... je ne savais pas trop comment me situer par rapport à ce paysage et aussi à la population locale. J'avais rien de particulier à y faire. Je ne travaillais pas, je n'étais pas en vacances, j'étais là. Donc au bout d'un moment, il fallait peut-être, c'est un bien grand mot, mais exister quelque part dans ce monde-là. Donc comme je suis photographe et que j'avais l'habitude de me mettre en scène, eh bien, on s'est mis en scène dans ce paysage. Juste pour y exister, pour y être, y avoir une fonction. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on nous voit assez fantomatiques. Hein, on passe, hein, voilà. Et les personnages qui dansent derrière dans le décor complètement délabré par rapport à la modernité qu'il y a de l'autre côté de l'écran. Ben c'est ça. Comment exister ici ? Comment exister dans ce monde financier ou dans cette nature ? Voilà, c'est ça. T'aimerais retourner là-bas ? Oui, bien sûr. Oui. Ben j'y ai vécu quand même 3 ans et demi. C'est devenu... C'est devenu mon paysage maintenant je suis dans le Périgord, mais j'habite aussi au fond des bois, là, pas très loin d'ici, mais c'est très proche de... Enfin, j'y suis bien, c'est devenu un second pays quelque part, enfin, un endroit où je me sens bien. Et tu aurais la possibilité d'aller montrer ton travail chez eux ? Oui. Oui. Oui, ça doit probablement se faire d'ailleurs. Ah, très bien. Tu nous inviteras. est-ce que tu participes à des festivals vidéo, tu fais des installations ? Non, c'est la première fois que je m'attaque à ce genre de choses. La vidéo, enfin, en l'occurrence, le diaporama, c'est un peu désuet, mais c'est... Non, c'est la première fois que je me lance dans un travail de ce type. Moi, je suis plutôt habitué à la chambre photographique et au travail en laboratoire, argentique, ce genre de choses. Mais il va falloir que tu présentes ton travail dans des festivals, parce que moi qui en fais de temps en temps, je t'assure que ça tient la route. Ou la mer. Ben on verra, écoute. On verra. Alors, bonne chance et... Merci. Ton expo, et venez voir, c'est vraiment dépaysant et ça vaut le coup. Voilà.